Deux dépôts de bilan, les huissiers et les banques. Je comprends pourquoi vous êtes venu à Gibraltar. J'ai peut-être trouvé une solution pour nous donner un peu d'air. J'ai rencontré un douanier qui m'a fait une proposition. Tu comptes balancer tous les mecs qui passent par ici? Tous les trafiquants, c'est ça? Mais pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que j'ai gagné? 10% de tout ce qu'on récupère. Tu vas où, là? Elle est pas assez bien, notre vie. C'est pas notre part, mais c'est pas mon bateau. C'est des crédits qui s'accumulent, qu'on n'arrive pas à rembourser. C'est ça, notre réalité. C'est ça, notre vie. Désormais, tout le monde fait de la drogue, monsieur Duval. On peut la convertir en or, en gros billet, en arme de guerre. Je t'ai proposé pour une opération de convoyage. C'est pas légal. Pourquoi vous faites ça? Pour la publicité, monsieur Duval. Une grosse saisie de drogue, ça montre aux gens que les douaniers sont au moins aussi importants que les pompiers. Écoute-moi, toi et ta famille, vous êtes sous ma protection, là, maintenant. Que les choses soient claires. Je suis pas un dealer. J'ai besoin de cet argent. Monsieur Duval, vous êtes un menteur et vous avez peur. J'ai peur, mais je suis pas un menteur. Je suis pas un menteur. Je vous le jure. Tu crois quoi, là? Tu te prends pour le grand frère, c'est ça? Il est un peu tard. T'as jamais été là. Au moment où j'en avais besoin, t'es jamais venu. C'est l'un des plus gros narcotrafiquants. Il est dangereux, Marc, tu comprends? J'ai plus confiance en toi, Béliman. J'ai plus confiance en personne. T'es un narcotrafiquant pour eux. Je travaille pour l'État, moi. Je travaille pour les douanes françaises. Je travaille pour toi. Ce que tu fais, c'est pas digne d'un père. Faut que tu me fasses confiance, d'accord? Il me reste une chose à faire, une seule.